Bravo, hein. J'aime trop. Waouh, toute seule, comme une grande. Bon. Bien. On a bien mangé? Non. Non, mais c'est quoi? C'est du taboulé oriental avec un croque-monsieur. T'as aimé ou pas? T'as aimé? Non. Mais tu as défoncé l'assiette, tu n'as pas aimé? Ah, voilà. Mademoiselle, tu fais tes ratounes, tu fais les petites dents, mon bébé. Oh, mon bébé joli. Ah bah oui, mon ange. Bon, les mamans qui allaitent, vraiment, je voulais trop vous dire un truc. Je sais pas si depuis que j'ai rencontré mes soucis d'allaitement avec Adriana et le fait que ça soit un bébé qui prend pas énormément de poids, j'ai vraiment pas confiance en ma lactation. Donc c'est un peu relou. Voilà, j'attends pas ce qu'il lui faut au sein, alors que je sais que quand je tire mon lait, j'ai largement ce qu'il lui faut. Mais pour autant, je suis vraiment pas confiante dans mon allaitement, alors que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est vraiment une aventure que j'aime avec ma fille et que je ne veux pas arrêter. Mais du coup, maintenant, voilà, on traverse une période où j'ai l'impression que je suis obligée de la compléter après une tétée parce que rien ne lui suffit, alors que ça pourrait être... Alors qu'au final, c'est vrai qu'elle est en train de faire les dents, du coup, vu que... Elle fait un peu les gencives, les dents. Je me dis c'est peut-être l'inconfort qui fait qu'elle est agitée après la tétée et c'est pas forcément la fin. L'allaitement, c'est vraiment bien pour elle. Est-ce que je produis suffisamment? Alors que je me pose la question, alors que je sais que la réponse est oui. Je vois que j'ai largement ce qu'il faut. Mais voilà, c'est un peu compliqué. En ce moment, je vis un peu en mode il faut que je lui donne des biberons après la tétée. Donc ça me fait un peu chier parce que c'est pas le but. En sachant que Adriana vomit beaucoup après une tétée alors qu'elle ne vomit pas forcément après le biberon. Donc ça, je me dis que c'est peut-être dû à mon rêve. Voilà. Je sais pas trop. Et vraiment là, les policiers des réseaux, je vous vois arriver. Eh, c'est bon, tu nous saoules avec ton allaitement, arrête l'allaitement. Bon, déjà, cette story, si elle ne vous convient pas, vous n'êtes pas forcé d'y répondre, hein, ni de rester pour écouter. Voilà. Parce que je vois aussi la story finir sur TikTok et les commentaires des haters venir m'attraper ma veste. Laissez-moi tranquille. Voilà, laissez-moi tranquille avec mon allaitement. J'ai des phases pas faciles, j'ai des phases un peu compliquées. Et celui qui est pas content, j'ai envie de dire que c'est pareil. Voilà, donc laissez-moi tranquille. Je prends de l'avance parce que je sais très bien et je vois déjà arriver le genre de commentaires un peu horrible que je vais recevoir. Donc franchement, j'ai pas envie de vous lire ce genre de message. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi. Vraiment, s'il vous plaît. Évidemment, j'ai plus de temps, je fais confiance à la vitesse. Je passe après que j'avais un gars. Des mois posés, il faut qu'on se voit pour s'affronter de toute la peur. Cette musique qui fait vibrer ma peau. Et ça fait un putain de BPM. Regarde comme je...
Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu veux. Vas-y, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux, Georgia? Qu'est-ce que tu as? T'as te rendre. Ouais, je te surveille, hein. Attention à papa. Attention. Fabrication France La Famille, vous pouvez retrouver 26 saveurs sur le site internet. Le sucré le matin, le midi repas libre et le salé, c'est pour le soir. Le combo parfait pour ceux qui veulent perdre du poids, regardez, ou le paddle, ou le sport, peu importe, c'est garanti en 14 ou 28 jours, vous avez du résultat. Maintenant qu'il faut se motiver, parce que commencez pas à avoir des excuses après. On va rentrer dans les fêtes de Noël. Oui, non, il y a les fêtes, on va bien manger et tout. Et trois mois après, c'est l'été bientôt. Donc je vous explique, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Mon code promo, PAGA10, pour bénéficier de moins 10% à partir de 80 euros d'achat sur le site SoShape. N'hésitez pas à motiver vous, après il n'y a plus d'excuses, je vous le dis. Comment allez-vous? Avec Jou, on va aller se faire une balade à cheval. Aujourd'hui, je suis avec Esther. Bonjour Esther, comment ça va? Tu es beau, hein? Tu es beau gosse, hein? Wow. Classe à Dallas. Ma femme, elle lui fait les petites... Comment on appelle ça? Ouais, bien. Mold. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je fais tous les sports. Quand c'est pas le moule, c'est le cheval, l'équitation. Quand c'est pas l'équitation, c'est le crossfit. Quand c'est pas le crossfit, c'est l'électrostimulation. Et vous savez dans quoi je suis le meilleur? L'apéro. Parce qu'en vrai, quand tu fais l'apéro, que tu es avec tes amis au comptoir, mets la tienne, je mets la mienne, tu mets la tienne, je mets la mienne. Le coude, il monte, il se lève. C'est du sport. Ce qui m'impressionne, bébé, c'est pas toi sur ton cheval. C'est les deux dames à l'arrière qui se baignent. On est au mois de novembre. Eh ouais. Attends, t'as vu comme il fait chaud? Et ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Je reconnais qu'il fait chaud. Regardez-moi ce cadre. Ah, la Corse. Des fois, tu peux partir dans le monde entier pour découvrir ça. Tu n'as pas besoin. Je suis fait le footing, là. Quelle vie! Ah! De l'eau, hein, de l'eau. Oh, tu t'es fait un kiff, toi! Carrément, il a pris l'arbre, lui! Regardez! Il a pris l'arbre? Sister! Qu'est-ce que tu me fais? Tu m'as pris la lavande! Il a pas pris la lavande, il a pris le lavandier! Il a pris carrément le. On y est dans le couscous. Regardez-moi cette eau turquoise. Ça donne envie de plonger. Je m'en guide déjà l'été. Hein. Je vous promets. Hein. Oh là là.